Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Vous avez dû constater que les studios de TV de Vie ont changé, n'est-ce pas? Donc les choses changent, les choses bougent et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre que son esprit opère au milieu de nous. Et voilà, les frères et sœurs, les frères de TV de Vie, l'équipe s'est levée, hein, donc a décidé de faire les travaux pour, n'est-ce pas, améliorer un peu nos studios. Et c'est beau, vous avez vu, vous voyez, et, ce beau travail qu'ils ont réalisé. Et donc que le Seigneur soit béni en tout cas pour cette grâce qu'il nous a accordée. Père, nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Merci pour l'amour de la vérité qui les anime. Nous te confions, Seigneur, cette émission. Sois le maître de toutes choses. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir, David et Laurent. Alors, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Dieu est bon. Amen. Et nous avons de nouveau, une autre... décoration, donc des travaux ont été effectués, sont toujours en cours. Hein. Oui, les travaux sont effectués compte tenu qu'on doit suivre la vision. D'accord. Et compte tenu qu'il faut moderniser un peu notre studio, il fallait améliorer les choses. Uh-huh. Et nous nous sommes dit, on s'était donné un deadline, qu'aujourd'hui il fallait que les frères et sœurs qui soutiennent l'œuvre voient les travaux qui sont faits. D'accord. Donc voilà pourquoi... Nous sommes obligés de leur rendre des comptes. Amen. Monsieur. Amen. Voilà. Donc là, je vois des spots, des splits de lumière un peu partout. Explique-nous un peu là. Nous sommes dit, compte tenu qu'un studio télé doit être moderne, mm-hmm. le Seigneur a permis que nous puissions mettre des spots tout autour là pour avoir un peu la lumière effet bleu mm-hmm. pour rester sur la teinte normale de la couleur de peau. Et un téléviseur de retour derrière pour embellir plus la salle et faire aussi les refaits qui vont aussi jouer le fait tableau mm-hmm. et qui permettra qu'on puisse mettre le logo TV de Vie afin qu'on sache que nous sommes dans le studio TV de Vie. D'accord. Et les murs, on a touché, les murs aussi ont été refaits pour ressortir un peu l'effet pierre qui est sur le logo. En tant que pierre vivante, on doit refléter la pierre. Waouh. Donc voilà pourquoi on a aussi fait le mur effet pierre. Qu'est-ce que tu en penses un peu, David? Est-ce que tu... Ouais, donc vous avez travaillé durement. Hein. Alors on a travaillé depuis, je crois, jeudi, si mm-hmm. je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et on voulait vraiment, à travers cela, pouvoir également agrandir, parce que finalement, cet espace-là qui a changé d'angle mm-hmm. permet également de faire venir plusieurs personnes, mm-hmm. d'autres personnes. Et on vraiment gloire au Seigneur, parce que vraiment, c'était vraiment une mobilisation. Mm-hmm. Et on voulait vraiment que... montrer également que ceux qui soutiennent ne soutiennent pas pour enrichir qui que ce soit, mm-hmm. mais que c'est vraiment pour le message, pour Jésus d'abord, mm-hmm. et que, afin que l'évangile soit diffusé plus facilement et avec voilà, des moyens un peu plus simples. Et c'est très simple, ça, c'était pas très onéreux, mm-hmm. et avec peu de choses, comme un corps en fait, vraiment comme l'Église, comme un corps, chacun donne son talent et voilà ce que le Seigneur a permis. Donc tout ça, c'est pour fait. La gloire du Seigneur, bien sûr. Alors, Jésus-Christ, oui. Pour permettre aussi aux frères et sœurs de suivre correctement les émissions, avec des images assez nettes, claires. Et voilà. Donc justement, frères et sœurs, en ce qui concerne la vision que le Seigneur nous donne, l'œuvre qu'il nous donne à faire, et nous allons aussi vous faire un peu le point sur ce que Dieu fait. Mais avant cela, prenons d'abord cette parole de l'Écriture dans 2 Corinthiens, hein, si Laurent peut nous lire cela. 2 Corinthiens, chapitre 9, et à partir du verset 6 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 11. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 11. Au reste, celui qui sème chichement, moissonnera chichement. Voilà, ça c'est la version de Lamartine. Voilà, donc celui qui sème chichement. Voilà, donc que Dieu soit béni. Au reste, celui qui sème chichement,
moissonnera sèchement. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Mm-hmm. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mm-hmm. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours tout ce qu'il vous a été nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres sa justice, et sa justice demeure éternellement. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice. Amen. Merci. On peut s'arrêter là. Merci. Donc, le verset 10 nous dit que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, et il, n'est-ce pas, multipliera la semence, hein, votre semence, et augmentera les fruits de votre justice. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que, quand le Seigneur donne, bien sûr, une pensée, quand il nous demande de faire quelque chose de précis, lorsqu'il nous donne une vision, bien évidemment, il nous donne les moyens également, n'est-ce pas, de la réaliser, de la concrétiser. Dieu ne peut pas donner une vision, mes amis, sans pour autant la soutenir concrètement. Donc, bien sûr, le soutien premier, le premier soutien que le Seigneur nous apporte, c'est vraiment le soutien spirituel. Donc, c'est grâce, n'est-ce pas? Donc, il nous appelle, il nous équipe également de diverses grâces. Et ensuite, il nous donne aussi des frères et sœurs qui sont honnêtes, qui sont sérieux, qui sont intègres, avec lesquels on peut faire avancer, n'est-ce pas, les choses. Et il donne également, n'est-ce pas, des moyens matériels et financiers pour que son œuvre, n'est-ce pas, se concrétise. Et nous tenons ce soir à bénir Dieu de nouveau, donc, pour l'œuvre qu'il accomplit. Et nous voyons dans ce passage, frères et sœurs, que Dieu, selon qu'il est écrit au verset 9 hein, de 2 Corinthiens 9, Dieu fait de largesse, n'est-ce pas? Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais, n'est-ce pas? Et il fournit, n'est-ce pas, de la semence aux semeurs. Donc s'il nous appelle comme des semeurs pour semer sa parole, bien évidemment, il nous donne la semence. Parce qu'un semeur sans semence n'en est pas un. Donc il donne la parole pour pouvoir, bien sûr, la planter, la semer dans vos cœurs. Et il dit également que il s'occupe également de notre nourriture, de notre pain quotidien. Donc, il est fidèle, ce Dieu. Et voilà. Et vous savez que, en ce qui concerne TV de vie, ce média que vous suivez régulièrement, et nous avons beaucoup de projets, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a donné la semence, la parole, que nous devons absolument diffuser massivement, n'est-ce pas? Donc, le retour à la parole. Et beaucoup parmi vous sont touchés. Hein, donc, depuis vos villes, vos pays, beaucoup sont touchés. Nous avons beaucoup de mails d'ici et là, des frères qui sont touchés, des frères et sœurs qui sont guéris par le Seigneur. Et donc, beaucoup viennent de loin, des États-Unis, du Canada, de Londres, de partout. Et nous nous disons que nous voulons réellement que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Hein, ça, c'est vraiment notre motivation première. Et ensuite, nous voulons voir les frères et sœurs, les chrétiens, libérés. Hein, les païens accéder à la vérité, à la lumière. Donc, voilà notre motivation. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette vision, dans cette optique, frère, que nous travaillons et ardemment, donc avec foi et détermination, quelles que soient les épreuves, ça ne manque pas. Hein, donc, voilà, et nous voulons vraiment faire avancer les choses par la grâce du Seigneur, bien sûr. Et donc, Dieu, comme vous le savez, en novembre 2013, dans la prière, j'étais en prière et je posais une question au Seigneur. Je lui ai demandé ce qu'il attendait de moi. Et il m'a dit clairement, dans une vision, fais-moi la révision de la Bible. Donc, et quand je me suis réveillé, j'étais ébahi, dépassé, étonné. Et je me suis senti vraiment petit. Je me disais, qui suis-je pour, n'est-ce pas, avoir cette responsabilité, avoir ce travail, pour faire ce travail? Et dans la prière, le Seigneur a vraiment convaincu mon cœur et je partageais cette vision aux frères et sœurs.
Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient aussi eux-mêmes reçu des songes et des visions concernant ce travail de la révision de la Bible. Et nous avons commencé, n'est-ce pas, ce travail. Et on a pris la version de Lamartine de 1744 et nous avons commencé, n'est-ce pas, cette révision. Et à l'heure actuelle, le Nouveau Testament est déjà fini. Donc également les quatre évangiles. Et le livre de Genèse est fini, Exode est fini, et Deutéronome est presque fini, et Lévitique également est presque fini, et les juges sont, le livre des juges est fini, et Josué également est fini, Sophonie est fini, et Habacuc est fini, et Agé est fini, et Daniel est en train d'être fini, hein, donc il reste juste 10 ou 15 versets. Et donc Esther est fini. Et voilà. Donc, frères et sœurs, bientôt nous allons, d'ici le mois de juin, nous aurons, si tout va bien, fini cette révision de la Bible. Et donc. Nous voulons vous montrer également un échantillon de livres que produit l'imprimeur que nous allons que nous avons sollicité pour l'impression de ces 10 000 exemplaires de la Bible. Donc, si on peut me ramener cette cet échantillon qui se trouve dans le bureau. Donc, voilà. Et vous allez vous-même constater, mes amis, ce soir également, que le travail avance. Que grâce à vos prières, frères et sœurs, nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'avancer quelque part. Et pourquoi cette révision ? Eh bien, on vous a déjà donné les raisons, n'est-ce pas, qui nous ont poussés, n'est-ce pas, à accepter le travail que le Seigneur nous a confié. Et pourquoi cette révision ? Premièrement, parce que c'est l'ordre, c'est un ordre du Seigneur. Et donc, nous ne pouvons que nous, n'est-ce pas, y soumettre. Et parce que Dieu, il nous demande de faire quelque chose, on obéit parce qu'il est Dieu, parce qu'il fait ce qu'il veut. Et pourquoi cette révision ? Parce que aussi, la plupart des Bibles ne portent pas le nom de son auteur, hein, donc, qui est Dieu lui-même, donc Jésus-Christ. Et donc voilà pourquoi cette Bible sera appelée, n'est-ce pas, est appelée et nommée la Bible de Jésus-Christ, ou encore la BJ. Voilà, donc la BJ. Et voilà, donc, d'autres raisons, parce que toutes les Bibles qui ont moins de 100 ans sont sous copyright, les droits d'auteur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas utiliser plus de 500 versets d'une Bible qui est sous copyright, dans un livre par exemple. Vous ne pouvez pas utiliser, si vous écrivez un livre, vous ne pouvez pas utiliser plus de 500 versets de cette Bible qui est sous copyright sans demander la permission à la maison qu'il a édité ou au ministère qu'il a édité. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est contre le message de l'Évangile parce que le Seigneur nous a demandé de diffuser massivement sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé de faire cette révision. Et il y a beaucoup d'autres raisons que nous ne voulons pas vous donner ici sur le plateau de TV de Vie. Nous voulons simplement vous... nous voulons que vous attendiez simplement quand cette Bible sera, quand elle sera éditée, quand elle sortira, vous lirez en fait les commentaires, les raisons qui nous ont poussé à accepter, n'est-ce pas, de procéder à cette révision. Voilà, donc, en tout cas, le travail avance, n'est-ce pas ? Vous savez qu'on a d'abord eu le projet de l'achat des locaux de TV de Vie, ce ne sont pas des locaux pour une église. Je tiens encore à le souligner, ce ne sont pas des locaux pour une église, parce que c'est dans ces locaux où nous sommes, il n'y a pas une église. Voilà, donc ce sont des locaux pour TV et Radio de Vie, également pour, n'est-ce pas, le centre de formation Didasco, et les étudiants viennent un peu de partout, du monde entier. Voilà, donc ce ne sont pas des locaux pour, n'est-ce pas, une église locale. Et et ce projet a déjà été finalisé. Donc, on a signé le compromis par rapport à l'achat. Donc, ça, c'est déjà fait. Et la semaine prochaine, David, on va certainement signer. Tout à fait. Définitivement. Définitivement, l'acte authentique, voilà. L'acte authentique, parce que la mairie a... La mairie a un peu traîné.
Et puis, du coup, maintenant qu'elle a donné son aval, on peut maintenant signer tranquillement. Voilà, donc la mairie d'Evry a donné son aval. Donc, on va signer la semaine prochaine et on vous montrera la vidéo de cette signature, n'est-ce pas, par rapport à l'achat de locaux et l'achat pour lequel vous avez, le projet pour lequel vous avez, n'est-ce pas, soutenu à hauteur de 200 000 euros, hein, si je ne me trompe. Tout à fait. Voilà. Donc, et ensuite, donc, il y a eu, après ce projet d'achat, il y a eu le projet maintenant de la Bible que Dieu lui-même a, n'est-ce pas, nous a confié. Donc, on a, comme je vous ai dit, nous avons beaucoup, hein, nous travaillons beaucoup et on a bien avancé, hein, n'est-ce pas? Et donc, bon, je vais inviter en même temps mon frère Francis aussi, s'il peut venir prendre place, si c'est possible. Voilà. Donc, les projets ont bien avancé, bien évolué. Maintenant, David, explique-nous un peu ce livre-là, c'est quoi exactement? Parce que c'est vous qui êtes. Donc ça, parti voir l'imprimeur. Oui, donc effectivement, on était parti pour voir l'imprimeur, donc pour cette impression des livres, enfin de la Bible. Et elle nous a montré plusieurs échantillons par rapport à ce qu'on désirait avoir. Et elle nous a montré donc ce livre-là, avec ce type de couverture. Et voilà, donc ça, c'est un livre de prière. C'est du bon travail. Hein. C'est vraiment du bon travail, c'est bien fini. Il y a même le marque-page aussi que je vois là. Effectivement. Le marque-page qui est là, vous voyez, le, voilà. Hop là. Voilà. Donc, et donc, notre Bible aura aussi ce marque-page-là. Effectivement, hein? Il y aura cela, oui. Voilà, c'est parfait. Et j'ai vu aussi comment la finition, ici, là. Mm-hmm. Et donc, ce sera pareil aussi. Hein? Exactement, donc, tout à fait. Voilà, et devant aussi, ça sera pareil, aussi, comme ça. C'est ça, avec le couleur un peu or. Voilà, après le... ouais. Couleur un peu or, comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est exactement, ce sera pareil, frères et sœurs. La Bible pour Jésus-Christ. Voilà, ça sera comme ça. Tel que vous voyez ce livre imprimé par l'imprimeur que nous avons contacté. Mmh, tout à fait. Oui. Donc, ça sera exactement pareil. Hein, oui, exactement, donc, tout à fait. Voilà. Vous l'avez déjà dit à l'imprimeur ? On doit faire un point avec elle. Donc, justement, par rapport aux devis, on avait plusieurs devis. D'accord. Par rapport à la matière, à la façon de... Voilà, souple ou dur. Et donc, on était partis ensemble... sur une version, un devis bien spécifique, et maintenant on doit lui faire un retour pour lui demander effectivement la commande que l'on aura à passer avec elle. D'accord. Donc voilà, vous avez vu, frère, on va encore montrer de nouveau l'exemplaire. Hein, donc c'est pas l'exemplaire de la vie de Jésus, mais c'est le modèle. Hein, c'est un échantillon, hein, l'échantillon de ce qui sera la Bible de Jésus-Christ, en fait. Et pareil, donc c'est exactement pareil, ouais, ce sera très beau, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est gratuit, donc ce sera gratuit, donc une Bible gratuite. Voilà, donc... Alors, frères et sœurs, vous voyez que les choses avancent, l'œuvre avance, la vision avance, Dieu nous fait grâce, et David, donc 10 000 exemplaires de Bible. Combien coûtera-t-il, ce travail? Donc, il y en aura pour 95 000 euros. 95 pour 000 des 10 000. 95 exemples. 000 euros. Voilà. Voilà, pour 10 000 exemplaires tout de à Bible. Fait. Et combien avons-nous actuellement sur le compte de ce projet? Alors, après 5 mois, on a un peu plus de la moitié et on a 48 680 euros. Plus de la moitié déjà? Plus de la moitié. Que Dieu soit béni. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Voilà, donc, alors il y a une sœur qui est venue te voir aujourd'hui. Voilà, tout à l'heure. Qui a fait le don, un don. Effectivement. Par rapport à ce projet-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ça? Et elle m'a vraiment fait rigoler parce qu'elle nous a donné une enveloppe de 5 000 euros. Là, il n'y a pas longtemps. Là, il n'y a même pas une heure. En disant, il nous faut plein de bibles, plein de bibles, plein de bibles. 5 000 euros de don qu'une sœur vient de faire et pour ce projet. Donc, du coup, on a en tout 48 000 euros. 48 680 euros que nous venons d'avoir après 5 mois, n'est-ce pas, d'annonce. Hein. Donc, en 5 mois, Laurent, le Seigneur nous a donné déjà
48 680 euros. Et qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça là? La parole de Dieu est digne de confiance. Sans la dîme. Sans la dîme. Sans mettre la pression sur les gens. À personne. Dieu prend soin de son œuvre. Waouh. Alors, si vous voulez témoigner par rapport à ce projet, vous pouvez éventuellement nous appeler, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Donc, je crois que c'est le 01 64 90 98 45. Voilà, vous pouvez nous appeler si vous voulez témoigner. C'est vraiment encourageant par rapport au projet de l'achat. En un an, Dieu nous a donné 200 000 euros. Et par rapport au projet de la révision de la Bible, n'est-ce pas, Laurent, en 5 mois, nous avons déjà 48 690 euros. Il n'y a que le Seigneur qui peut, mes amis, faire de telles choses. Il n'y a que Dieu qui peut nous surprendre comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut, mes amis, nous encourager comme ça. Donc, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Chora. C'est Laurence. Bonsoir, Laurence. Ça va? Très bien, très bien. Je suis vraiment dans une grande joie. Parce Amen. Que c'est vraiment un projet. Ça fait très, très longtemps aussi que je parlais à papa en lui disant, mais dis donc, comment ça se fait? Il n'y a encore pas de Bible correcte. J'en ai 1, 2, 3, 4 à la maison de Bible d'études. Même la Bible de la femme, pour la femme. Donc, il y a des choses intéressantes, mais le problème, c'est les traductions. Et à chaque fois que je cherchais un terme précis, une explication sur un verset précis, je ne trouvais pas. Et pourtant, j'en ai 4. 4 Bibles d'études. Waouh. Donc, à chaque fois, en priant ou en parlant avec papa, je disais non, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas, il nous faut une Bible digne de ce nom et avec une véritable traduction. Parce que il faut savoir l'hébreu, lire l'hébreu. Si papa, moi je ne sais pas lire l'hébreu, l'araméen, si je ne me trompe, et le grec. Parce que tout le Nouveau Testament est en grec, l'original est en grec. Donc, j'étais vraiment, quand j'ai appris ce projet-là, j'étais dans une grande joie. J'étais dans une grande joie. Et je me suis rendu compte, j'ai un témoignage, là aujourd'hui, je parlais avec un ami qui est athée. Mais véritablement, il ne veut pas entendre parler de Dieu. Et bien là, je l'ai intéressé. Il écoutait et il était passionné d'entendre la vraie parole. Amen. Et ça, c'est une grande joie parce que justement, le fait d'avoir étudié, de savoir que c'était les codex qui avaient été pris au départ, que c'était des textes minoritaires, que c'est un intellectuel, hein, et que les textes majoritaires avaient été laissés de côté, et qu'il allait y avoir une nouvelle traduction, et ben il était, pour la première fois de ma vie, depuis que je discute avec lui, il a entendu la parole de Dieu. Amen. Et j'ai pris conscience, donc effectivement, ce qu'on m'avait enseigné ne pouvait pas être entendu. Mmh. D'un cœur qui a soif de quelque chose, même s'il se dit athée, tous les enseignements fallacieux qu'on nous a donnés ne peuvent pas être entendus par des personnes qui ont soif de Dieu au point de dire « moi je suis athée » parce qu'ils voient bien que ça ne va pas. Ils voient bien que ça ne va pas. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas, qui cloche. Donc, voilà, je voulais simplement vous encourager parce que c'est un boulot phénoménal. Ça, c'est vrai que c'est un travail considérable et on vous soutient tous.
tout le groupe là qu'on est à Salon. Et puis je sais que bien d'autres encore, on vous soutient tous, dans l'œuvre en général. Et on a vraiment hâte de voir encore plus d'âmes sauvées s'ajouter à l'Église. Amen. Amen. Que Dieu soit béni en tout cas, Laurence. Merci. De rien. Au revoir et que Dieu vous bénisse tous. Merci, au revoir. Voilà, frères et sœurs, donc c'est vraiment encourageant, hein, donc ce que Dieu fait. Donc, en novembre 2013, il donne cette vision de la révision de la Bible. Et puis voilà, nous sommes pratiquement au mois de mai. Et le Seigneur nous a déjà donné plus de la moitié de la somme nécessaire à la révision de cette Bible. 48 690 euros. Hein, donc, voilà, donc comme on vous l'a dit, une sœur est venue tout à l'heure de donner un don. Donc, faire un don de 5000 euros. Hein. Donc, et ça, c'est glorieux, c'est magnifique, c'est encourageant. Et croyez-moi, grâce à vos prières, à vos soutiens, vos dons, nous sommes déterminés à finir ce travail et, afin que, d'ici le mois de juin, afin que vous ayez cette Bible pour le pour début décembre, David. Qu'est-ce que l'imprimeur nous a dit? Effectivement, on doit passer la commande fin août pour fin une livraison août. Début décembre. Effectivement. Donc fin août, on passe la commande et livraison début décembre. Décembre, voilà. Donc début décembre et d'ici le 20 décembre, vous aurez, parce qu'on aura une conférence, si tout va bien, afin que vous veniez du monde entier pour prendre chacun sa Bible, la Bible de Jésus-Christ. Alléluia. Bonsoir, on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, je suis en direct. Tout à fait. Oui, bonsoir frère Choras et Christiane de Strasbourg. Donc je voudrais témoigner au sujet de la Bible des songes que le Seigneur m'a donnée. Donc il m'avait montré dans un premier songe la terre qui était vraiment dans les ténèbres. Et lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit ça c'est... Ce sont ceux qui ont enterré l'évangile, en fait. Et ensuite, il m'a montré la terre où il y avait comme des feux d'artifice. Et il m'a dit, voilà, l'évangile, le vrai évangile est déterré et la parole arrive. Et donc, le deuxième songe, il m'a montré la Bible au début. Donc, j'étais comme si c'était un groupe didasco. J'avais ma Bible Martin, la petite. Et ensuite, un autre groupe où j'avais la Bible, la Nouvelle, qui était plus grande, plus imposante. Et qu'avec cette Bible, il y avait énormément de gens. Le groupe où avait doublé, triplé, ça allait attirer énormément de gens. Et le troisième sens qu'il m'a montré, c'était une piscine où il y avait plein de pasteurs, des blancs de souche, qui tombaient dans cette piscine et que toutes les béquilles tombaient dans l'eau. Et il me disait, ce sont les pasteurs blancs qui vont, à la suite de cette Bible, qui vont abandonner le faux évangile et qui vont venir à la vraie parole. Donc Alléluia. Je voulais juste vous encourager parce qu'avec cette Bible, ça va faire bouger énormément de choses. Le Seigneur agit, le Seigneur travaille et il est en train de préparer vraiment de très grandes choses à la suite de la sortie de cette Bible. Amen. Je voulais juste vous encourager, que Dieu vous bénisse et vous donner la force de tenir dans les combats, parce que nous sommes une armée, les guerriers de Dieu, mais nous sommes aussi une armée qui prions pour vous, pour cette œuvre et pour tous les gens, que personne ne puisse ni vous atteindre ni vous détruire, mais je sais que Dieu est là, qu'il fait barrage et que Dieu est puissant et que son œuvre passera. Amen. Que amen. Dieu vous bénisse tous. Merci, merci, que Dieu soit béni, c'est vraiment un encouragement. Ça, c'est des choses qui nous encouragent parce que les combats sont tels que, mes amis, Et quand Dieu nous encourage comme ça, on se rend compte qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut vraiment persévérer parce que c'est vraiment ma prière que des pasteurs européens de souche, des pasteurs blancs, soient, n'est-ce pas, encouragés, réveillés, touchés pour diffuser le vrai évangile. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà debout, qui aiment le Seigneur,
Et ça, c'est vraiment ma prière, parce que le Seigneur m'a dit dans une vision, je te donne à t'occuper de la culture européenne. Je ne veux pas me donner, comment dire, me mettre dans une position loin de moi, cette pensée. Je ne veux pas me rendre indispensable. Je vous partage simplement ce que le Seigneur m'a dit. Donc, voilà. Et ma prière est que vraiment l'Europe soit embrasée. Que les Européens soient réveillés. Et personnellement, je suis encouragé. Voilà, c'est vraiment waouh, il y a cette présence du Seigneur, mes amis, là, qui vient de tomber sur nous, là. C'est glorieux, c'est magnifique, c'est puissant. Père, Papa, sois béni pour ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia, Seigneur, tu es trop fort. Ouh, frère, regardez un peu encore l'échantillon de la Bible que vous allez avoir. Hein? Comment nous voulons nous investir tant spirituellement que physiquement, matériellement, financièrement, pour que vous ayez un livre digne de ce nom, n'est-ce pas? Donc, ce livre sera exactement comme ce livre, hein, donc avec ce cadre au milieu, avec mes amis tout autour, il y a... c'est pas de l'or, ça? C'est non, de l'imitation. Voilà. Donc, ça sera vraiment exactement comme ça. Couleur or, oui. Hein? Couleur or. Couleur or, voilà. Et avec un marqué-page. Hein? Donc, voilà, l'équipe montrait encore. Voilà. Et vous aurez... Il y a tellement de choses qu'on mettra dedans que nous ne voulons pas vous le dire tout de suite. On veut que vous ayez de l'eau à la bouche et que ce soit une surprise aussi pour beaucoup. Et donc, ici, derrière, sous le dos, hein? Donc, sur le côté, là, vous aurez également... ce petit cadre là, voilà, et avec la couleur or là, c'est voilà, on veut faire, mes amis, quelque chose de propre qui va honorer Dieu, n'est-ce pas? On veut aussi laisser un héritage à des générations, n'est-ce pas? Des générations futures, si le Seigneur ne revient pas d'ici là, quoi que nous pensions qu'il revient, voilà. Et c'est vraiment encourageant, vraiment encourageant. Et allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, mon frère. Bonsoir, oui. Je suis vraiment waouh. C'est le waouh que j'ai dit. Elle est très belle, la Bible. Et que le Seigneur vous bénisse pour cette œuvre. Franchement, le Seigneur ne dort pas. Et ça nous motive encore plus de venir vers lui, de proclamer sa bonne nouvelle. Avec toutes ces œuvres que vous faites par son nom, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour toutes ces œuvres. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour cet encouragement. On va encore, mes amis, me remontrer encore ce livre. Comme ça, les frères et sœurs vont voir comment la Bible de Jésus-Christ sera. Donc, voilà, parfait. Et là, on va écrire en grand caractère la Bible de Jésus. Et avec, mes amis, tout ce qui va avec, la couleur or autour, avec ce cadre, avec du noir, comme vous voyez ce livre-là. Donc, ce sera pareil, et avec le marqué-page. Et comme ça, il sera sur le côté aussi, sur le dos, là. Ouais, vous aurez ce petit cadre-là, pareil, la Bible de Jésus-Christ, et avec les initiales, hein, la BJ. Hein, la BJ. Et ensuite, en bas, hein, David, tu peux m'aider à le tenir, s'il te plaît. En bas, ici, nous allons écrire... Hein, interdite à la vente. Donc, cette Bible est interdite à la vente. Hein, et on mettra Matthieu 10, 8. Hein, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Donc là, on mettra ici la Bible de Jésus-Christ. La Bible de Jésus-Christ. Donc, avec les initiales, la BJ. Donc, voilà. Et ensuite, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, interdite à la vente. Voilà. Donc, et puis, bon, ben, sur le dos, pareil. Donc, la Bible de Jésus-Christ est interdite à la vente. Voilà. Donc, ce sera exactement pareil. Et avec le marqué-page que nous allons de nouveau montrer aux frères pour qu'ils voient quand même que l'argent qu'ils donnent est bien utilisé. Le marqué-page, voilà. Donc, ça, c'est ce que l'imprimeur nous a envoyé. Et voilà. Donc, une Bible digne de ce nom avec quelques commentaires dedans, et nous allons expliquer dedans aussi certaines choses. On vous montrera, on a mis des commentaires tels que des commentaires sur
le jour exact de la mort hein, du Seigneur Jésus-Christ, et, parce que ce n'est pas le vendredi, comme on nous l'a fait croire, et beaucoup d'autres choses, frères et sœurs, voilà, qui vont être mises à la lumière. Voilà. Donc, alors, bonsoir. Donc, je vais inviter également mon frère Francis à prendre place. Hein, donc, pendant que les frères sont avec nous, David, tout ça, vous allez rester avec moi pour expliquer encore par rapport aux dons que les gens donnent. Allô? Donc, on va prendre une chaise. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. En fait, j'appelle pour une question. D'accord. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous pouvez y aller. Oui, j'appelle pour une question concernant la révision de la Bible. D'accord. En fait, je voulais savoir s'il y aura une modification concernant Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que je me rends compte que lorsque je médite, en fait, dans certaines concordances, ça ne correspond pas du tout. On va expliquer tout ça. D'accord, ok. Voilà. C'était ça ma question. Ok. D'accord. Que Dieu soit béni. Et puis certains livres, en fait, on va également placer les livres, non pas en fonction du volume, mais en fonction de date, hein, donc de la date de rédaction. D'accord. Voilà, donc par exemple, Agé et Zacharie vont se retrouver à côté de Esdras, Néhémie, parce qu'ils ont vécu à la même époque. D'accord. Voilà, donc également dans le Nouveau Testament, la première épître que l'on voit, c'est Romains. Or, ce n'est pas ça. Donc, on va mettre en fait Galates à la place de Romains. Et voilà, donc on va expliquer tout ça. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, c'est un travail énorme. Et grâce à vos prières, grâce à vos conseils, vos suggestions, vos dons, donc l'œuvre avance. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Que Dieu merci soit à vous aussi. Alors, tu as vu la présence du Seigneur, mon frère, pour Francis, d'ailleurs, le micro est là, comment vas-tu? Oh, je vais bien. Dans la présence du Amen. Seigneur, oh, c'est là qu'il faut être, dans cette source. Amen. D'où vivre, c'est là où il faut qu'on demeure. Oh, frère, je te dis, après ce qu'on a vécu à Bruxelles, mais c'est ce que je ressens là. T'as vu? Mais Dieu est vraiment avec toi. Heureusement, sinon je serais mort depuis. Oh oui. Avec toute cette haine, toutes ces paroles de malédiction qu'on balance contre nous, heureusement que tu nous protèges. Ah oui, non. Je te dis, frère, que non, Dieu est vraiment avec toi. Amen. Voilà. Et comme il nous a mis déposé dans cette vision avec toi, donc il est avec nous. Alléluia. Voilà. Seigneur, reste avec nous. Fais-nous sentir ta présence comme ça, Seigneur mon Dieu, que nous puissions avancer, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Parce que c'est toi qui nous as choisis, qui a fait de nous des vainqueurs. Et même des plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alors, on va en même temps profiter pour inviter deux sœurs qui sont venues, si ça vous intéresse, hein, pour venir témoigner un peu de par rapport à ce projet de la révision de la Bible, avec Ludovic Rouget également qui est là. Donc, on va profiter quand même parce que c'est mon frère. Hein, donc, quand on voit des Français de souche touchés comme ça, on est vraiment dans la joie. Donc, on va amener encore d'autres chaises qui sont là pour ces personnes. Voilà, donc c'est vraiment encourageant, frère. Nous sommes beaucoup encouragés. On va bousculer un peu les choses comme d'habitude. On va se laisser guider, hein, mon frère Francis. Après, on va te laisser faire l'émission là. Donc, ouvrez à donner la parole que tu peux donner. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, donc c'est beau ce que Dieu fait, frères et sœurs. C'est magnifique. Dieu nous encourage, Dieu nous surprend. Et voilà, donc toute la gloire lui soit rendue. Nous avons quelqu'un en ligne, je crois, si je ne me trompe. Allô, bonsoir. Ah, on n'a personne en ligne. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Dieu n'a pas changé. Voilà, mon frère Francis, comment la Bible de Jésus-Christ sera? Non. C'est une très grande nouvelle, une merveilleuse nouvelle. Ah. Longtemps, nous avons cherché une réelle traduction. Parce qu'on s'est rendu compte, hein, au fur et à mesure que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il y avait des problèmes. Il y a des choses qui ne concordaient pas. Mais lorsque tu as eu à cœur par le Seigneur de faire ce travail, Dieu aussi nous a commencé à nous éclairer. Uh-huh. Et en nous disant que voilà, c'est ça.
Et maintenant, avec les quelques corrections qui ont été annoncées, lorsqu'on relit les mêmes passages, mais c'est l'éclairage qu'attendaient réellement les enfants de Dieu. Amen. Pour réellement se plonger dans l'eau, dans la source. Mm-hmm. Là, maintenant, on comprend des choses, on comprend la parole. On sait que maintenant, que, c'est bibliquement, ce n'est pas le dimanche, on sait que c'est le vent qui a apporté, le vent de l'esprit qui a apporté la parole, mm-hmm. et non ce qui est écrit dans la Louis II. Mm-hmm. Et quand on lit maintenant cette même parole, on a vraiment l'éclairage du Saint-Esprit. On s'est dit, mais Seigneur, mais c'était vraiment le temps que tu nous ouvres les yeux. Amen. Oh, mais Dieu est trop fort. Ludovic, par rapport à la nouvelle naissance, ce qu'on a appris aussi. Hein, donc, oui, c'est extraordinaire de voir que, en fait, dans Jean chapitre 3, il est dit, on a coutume de dire, parce que la plupart des traductions ne parlent de nouvelle naissance, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Mm-hmm. Et en fait, l'origine, c'est si tu ne nais d'en haut. Ça renforce le fait que la nouvelle naissance n'est pas le fruit d'une confession comme ça, mm-hmm. mais vraiment que Dieu nous appelle à naître de lui-même. Wow. Et ça change tout. Parce que le fameux born again américain vient d'une mauvaise interprétation qui fait croire que par le produit de nos propres efforts, nous pouvons naître nous-mêmes. Non, nous avons besoin de la naissance d'en haut, mm-hmm. qui effectivement produit le fait que, comme disait Paul, nous sommes une nouvelle créature en Christ, mm-hmm. mais il faut naître d'en haut. Et il y a tellement de choses, effectivement, parce comme ça. Parce qu'il y en a qui naissent du Vatican, qui naissent du protestantisme, exactement. Qui naissent du catholicisme du romain, du baptisme, mm-hmm. tout ça. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas la nouvelle naissance, mais c'est la naissance d'en haut, en fait. Amen. Amen. Et donc, du coup, ça conforte la réforme, parce que la réforme consiste à dire, mais voilà, la réforme, c'est Dieu. Ce n'est pas une nouvelle dénomination. C'est mmh. pas, on n'est pas des nouveaux protestants ou une mmh. nouvelle forme de protestantisme. Non, non, c'est Dieu qui nous ouvre les yeux sur justement le fait que nous sommes des citoyens des cieux. Waouh. En fait, si on vient d'une dénomination, le ciel. Amen. Le ciel. Mmh. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Ce n'est pas à ton appartenance à un mouvement religieux, mais au fait que, est-ce que tu es né d'en haut ? Est-ce que tu reçois les instructions d'en haut ? Est-ce que tu reçois l'esprit d'en haut qui t'a donné cette semence qui fait que tu engendres quelque chose qui ne vient pas de tes entrailles même, mais du ciel ? Et ce qui fait qu'en toi, ça produit ce qu'on appelle une métamorphose, la métanoïa. Et dans Romains 12, 1 et 2, on voit bien que cela, en nous, parce que c'est une semence qui nous vient du ciel, produit une transformation qui fait que la chenille qui rampait au sol, eh bien, est destinée à voler. Pour justement rejoindre son Seigneur. Waouh. Alors, Ludo, je me suis effectivement rendu compte que, parce que les frères et sœurs qui nous suivent ce soir sont certainement encouragés, hein, que la racine même du mot grec utilisé, du mot grec qui a été traduit par nouvelle naissance, cette racine, la racine de ce mot, se trouve également dans Jacques chapitre 1, verset 17. Alors, je ne sais pas si on peut prendre ce passage. Et donc, Jacques, chapitre 1, verset 17, Jacques dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » N'est-ce Amen. Pas ?» Donc, c'est « anno ». D'en haut, ici, c'est « anno », c'est la racine du mot grec traduit par erreur, hein, donc mal traduit hein, par nouvelle naissance. Wow. Et c'est vraiment « d'en haut hein, ». Donc, « toute grâce excellente, tout don parfait. » Or, la nouvelle naissance est une grâce, c'est la grâce Amen. De Dieu. Amen. N'est-ce pas ? Amen. Donc, c'est un don de Dieu. On ne peut pas naître de nouveau par soi-même, hein, de soi-même. C'est Dieu qui décide de nous, justement, de nous sauver. Et Jacques dit, justement, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, précisément, du Père des Lumières. Donc, la naissance d'en haut, c'est la naissance, n'est-ce pas, qui se produit dans le cœur du Père. Parce que si nous sommes des fils et des filles, il est dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, n'est-ce pas ? Donc, on comprend que le Père est dans les cieux. Yeshua dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux, et non au Vatican, à Paris, à Londres. Donc, cette Bible-là, Ludo va beaucoup parler, va beaucoup encourager les frères et sœurs. Je crois que le Seigneur, au travers de ce livre, va vraiment beaucoup nous, n'est-ce pas, réveiller. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment la naissance dans le cœur du Père. Le Père qui nous engendre. Et quand le Père, une personne engendrée par le Père ne peut et ne doit plus, ne pourra plus être condamnée par les autres. Et ça, c'est magnifique. Donc, ce n'est pas un pasteur qui décide que tu es approuvé par le Seigneur, que tu es né de nouveau, que tu es né d'en haut. C'est Dieu qui déclare
n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment. Et autre chose, j'ai découvert également en travaillant cette révision. Et pareil, dans Jean 18, par exemple, et Jean chapitre 18, et là, c'est, n'est-ce pas, la confrontation de Yeshua avec Pilate. Et Pilate lui dit ceci, et au verset 35, et 33, Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et puis, il y a autre chose que le Seigneur a dit à Pilate. Pilate dit dans Jean chapitre 19, Ludo, Pilate lui dit au verset 10, « est-ce à moi que tu parles ainsi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Alors ça, c'est intéressant ce que le Seigneur va lui répondre. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est toujours la racine de ce mot-là. C'est d'en haut, toujours. Donc, tout d'un parfait. Le pouvoir qui nous fait naître, n'est-ce pas, d'en haut, vient d'en haut. Donc, il aura donné le pouvoir. Donc, ça vient d'en haut. Et c'est... Il y a plein de choses comme ça que l'on découvre en faisant cette révision. Et que Dieu soit béni. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette révision, mes sœurs? Ben c'est bien, c'est très bien parce que ça vient plus près du contexte initial. Quoi. Donc après, c'est déformé et puis ça déforme aussi la parole en fait. Voilà, les gens qui la reçoivent. Et la compréhension aussi qu'on a. Et là, ça éclaire beaucoup plus. Mm-hmm. C'est plus intéressant. Waouh. Et on a aussi réalisé que l'ancienne alliance n'est pas un testament. C'est une alliance, mais pas un testament. Mais par contre, la nouvelle alliance est à la fois alliance et testament. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va expliquer aux frères et sœurs. Et aussi, dans Genèse 12, il y a toute une partie qui a été enlevée, qu'on ne trouve pas dans la majorité de nos Bibles. C'est une phrase. Va pour toi. Voilà. Donc, ça a été enlevé et que nous avons, n'est-ce pas, restauré. Et puis, pareil, Ludo... dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était en forme et vide, selon la plupart de nos traductions. En fait, on s'est rendu compte également qu'en hébreu, il n'y a pas de temps passé ni présent. Ça n'existait pas. Donc, il n'y a pas non plus d'auxiliaire être ni avoir. Ça n'existait pas dans l'hébreu biblique. Et dire que la terre était en forme et vide, c'est comme si Dieu, qui a créé les cieux de la terre, avait mal créé la terre. C'est comme s'il avait créé, n'est-ce pas, vide et informe. Donc, ça nous présente, malheureusement, cette lecture, cette parole nous présente un Dieu imparfait qui a engendré une création, n'est-ce pas, créé un monde imparfait. En fait, la vraie traduction dit « la terre devint informe et vide ». Ça change tout. Il s'est passé quelque chose. Voilà, tu peux. Vous pouvez y aller. Ah, voilà. Oui, non, j'ai juste compris qu'en fait, devint informe et vide, c'est qu'il y a eu la chute avant, en fait. Là, c'est ça. D'accord. C'est ça. Oui, parce que Dieu, il a créé tout parfait. Enfin, le jardin d'Éden était parfait. Il y a eu la chute. Ah oui, ça change tout. Parce qu'on pense qu'au départ, c'était informe et vide. Et en fait, on ne comprend pas, en fait. C'est pas clair. Ah, c'est ça. Oui, moi, je n'avais pas compris, en fait. Non, je viens de comprendre maintenant. Voilà, c'est ça. Que Dieu soit béni, voilà. Tu viens de recevoir un éclairage. Non, je viens de comprendre, de réaliser maintenant. Que Dieu soit béni. Parce que cette lecture, malheureusement, que nous avons tous eue hier, en lisant cette mauvaise traduction, présente, comme on l'a dit, un Dieu tellement imparfait.
Hein, regardez bien ce que ça dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y a un problème là, Ludo. Il y a un problème. Il crée les cieux et la terre et on nous dit que la terre était informe et vide. C'est comme si on dit, le constructeur de Peugeot, n'est-ce pas, va fabriquer une 406, mais ce véhicule était en panne. Ça ne veut rien dire, il y a un problème. Le véhicule tomba en panne. Là, n'est-ce pas, on comprend parce qu'il a été mal utilisé. Voilà, donc il y a eu un incident. Là, voilà, donc, et c'est ça. Donc, quand on prend Ecclésiaste 7, 29, il est dit, « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Donc, vous voyez que Dieu avait créé toutes choses parfaitement et à cause, justement, de la chute de Satan, du péché de l'homme, eh bien, il y a eu des conséquences sur toute la création. Et ça rejoint également ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 5, n'est-ce pas? Et Romains chapitre 8, Paul dit ceci, et au verset 20, et, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Voyez. Donc, la création donc, était soumise à la vanité à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Adam, la chute d'Adam et Ève. Vous voyez? Donc, c'est, ça change beaucoup de choses. Voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Et on explique à chaque fois, Et, voilà. et on retrouve également Jacob dans Genèse 49. Avant de mourir, il va, n'est-ce pas, convoquer ses enfants. Et au verset 18, il dit, n'est-ce pas, « J'espère en ton secours, ô Yahweh. » Et en fait, littéralement, Jacob disait ceci, « J'espère en ton Yeshua, au le tétragramme, au Yahweh. » Donc, il a parlé de Jésus. Tu t'en rends compte? Ça change tout. Ça change tout. En fait, qu'est-ce que Jacob disait littéralement? Il disait aux 12 princes, « Votre espérance à vous est en Jésus. » C'est pour cela qu'ils attendent le Messie. Vous voyez? Et Paul dit, « Le libérateur viendra de Sion. » Donc, vous voyez bien que tout se rejoint. Et ça change tout. Et là, on découvre Jésus-Christ, en fait, dans toute la Bible. C'est pour cela que nous appelons ce Bible la Bible de Jésus-Christ. Voilà. Donc, dans Genèse, on va vous montrer où se trouve Jésus-Christ. Dans Exode, tout ça. Donc, il y a vraiment tout un travail qui se fait, frères et sœurs. Et c'est pour cela que Jacob, dans Genèse 49, justement, avant de mourir, il dit à ses enfants, « Shema Israël hein, !» Celui qui est le premier à parler de cette prière. « Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. » Donc, il voulait que les 12 princes saisissent, comprennent que leur espoir était en Yeshua. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi ce travail se fait. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, pour vos prières, vos soutiens. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails pour vous expliquer les raisons que Dieu nous a, n'est-ce pas, données, hein, montrées. Pourquoi le Seigneur nous a demandé de faire cette révision. Mais vous le saurez une fois qu'elle sera donc, éditée. Et voilà, donc comme on vous l'a dit, nous avons lancé ce projet il y a 5 mois et nous avons eu actuellement, nous sommes actuellement encouragés et Dieu nous a donné à ce jour près de, on a en tout 48 690 €. Ludo, parce qu'une sœur est venue tout à l'heure avec une grosse enveloppe hein, de dons de 5 000 € par rapport à ce projet. Donc, et ça fait donc du coup 48 690 €, donc plus de la moitié de l'argent dont on a besoin. Et voilà, donc que Dieu soit béni, il nous faut 95 000 €. Ce qui est merveilleux, c'est de clouer le bec à tous ces pharisiens modernes qui osent, malgré ce que Dieu fait là, ils sont là, hein, ils sont en train de regarder, ils sont connectés. Dieu les oblige à être connectés pour savoir ce qui se passe. Dieu les oblige à regarder ce qui se passe. Et ils entendent, euro après euro, que Dieu est fidèle. Amen. Que lorsque Dieu te demande d'annoncer quelque chose, la Bible dit que Dieu réalise la prédiction de ses envoyés. Donc, quand Dieu t'a connu d'avance, qu'il t'a choisi, il t'a prédestiné, c'est lui qui te justifie. Et c'est lui qui te glorifie. Et ils sont là, malgré eux, en train de te voir monter, pas des marches que les hommes ont mises,
mais les marches que Dieu a préparées d'avance pour que tu puisses les gravir. Et malgré eux, voilà, ceux qui sont de Dieu, ils vont fléchir le genou. Et ceux qui ont été trop loin, qui ne peuvent pas revenir, bon, ils seront égarés. Mais tant que Dieu ne nous a pas dit d'arrêter de prier pour eux, j'encourage tous ceux qui les connaissent à prier pour eux. Parce que le désir du cœur de Dieu n'a pas changé, c'est que tous les hommes soient sauvés. S'il est encore possible qu'ils soient sauvés, continuez de prier pour eux jusqu'à ce que Dieu nous dit, n'intercédez pas pour ce peuple, n'intercédez pas pour eux, car c'est fini. Mais tant qu'il ne nous a pas dit ça, continuez à prier pour eux. Que Dieu vous bénisse, tous ces pharisiens modernes. Amen. On les aime beaucoup. Voilà, on les aime. Et que le Seigneur soit vraiment glorifié, béni. Et merci encore, frères et sœurs, pour vos prières, pour vos soutiens. Et continuez à le faire librement, avec joie. Et voilà, donc que le Seigneur soit béni. Et donc, ne quittez pas, ne teignez pas votre ordinateur, car notre frère Francis va nous apporter un message. Et voilà, donc dans 5 minutes, nous allons reprendre notre programme. Au revoir.